Bonjour à toi, j'espère que tu vas bien. Alors, dans cette série que je continue sur l'entrepreneuriat, ce qu'on ne te dit pas sur l'entrepreneuriat, nous sommes à la partie 3. Donc, ce qu'on ne te dit pas, les choses qu'on ne te révèle pas ou que peut-être que tu as entendu très peu de personnes dire sur l'entrepreneuriat. Alors, si tu es nouveau sur ma chaîne, moi, je suis Patricia Touré, je suis mère, je suis épouse, je suis salariée, je suis entrepreneur et je suis investisseur immobilier en France et en Afrique depuis une quinzaine d'années, et j'aide via ma structure immobilière Groupe CAM Immobilier la diaspora à investir en Afrique en toute sécurité. Alors, si tu es nouveau sur cette chaîne, n'hésite pas à partager cette vidéo, à t'abonner et à mettre un pouce bleu. Merci. Alors, troisième partie, on t'a dit effectivement que tu allais être ton propre patron, que tu allais avoir les horaires que tu veux. Enfin, voilà, que l'entrepreneuriat, c'est la voie royale, c'est ouvert à tout le monde, voilà. Mais est-ce qu'on t'a dit que tu allais avoir beaucoup de stress? Est-ce qu'on te l'a déjà dit? Que tu allais avoir des périodes où tu allais être stressé constamment, que tu allais avoir un nœud au niveau du ventre, tout le temps en train de réfléchir, tout le temps dans tes pensées, à temps de t'attraper la tête, à te dire, mais c'est pas possible, mais comment dire, on a une expression en Côte d'Ivoire qui dit, mais qui m'a dit? Qui m'a dit d'aller là-bas? Tu auras des périodes où tu vas te remettre toi-même en doute sur tes compétences, sur tes qualités, sur tes talents. Et tu vas dire, mais c'est pas possible. Tu es toujours en train de stresser, tu es dans l'anxiété continue. Bon, il y a quand même des fois où tu es dans l'anxiété et puis qu'au fois, ça part, ça revient. Tu seras dans des disputes, dans les palabres, toujours dans des discussions, dans des justifications auprès de ta famille, auprès de tes amis, auprès de ton conjoint. Auprès de ton conjoint ou de ta conjointe. Donc, c'est vraiment important parce que tu seras toujours en train de négocier. Surtout quand c'est avec ton conjoint, c'est toujours en train de négocier. Et c'est vrai que ce ne sera pas forcément évident parce que quelquefois, tu pourras te retrouver seul, limite seul contre tous. Donc, encore une fois, reste focus sur ton objectif. Prends du recul. Il faut savoir prendre du recul. Il faut savoir lâcher prise. Tu ne peux pas gagner à toutes les batailles d'un coup. C'est-à-dire que si tu te prends la tête avec ton conjoint par rapport à ce que tu as voulu faire, mets bas la terre. Essaie de discuter avec ton conjoint. Essaie de négocier avec ton conjoint. Et puis, toi, de ton côté aussi, travaille pour avoir des résultats, pour rassurer un peu les gens qui sont autour de toi. Mais je sais que ce ne sera pas facile. C'est pour ça que je te donne ces astuces-là et je te dis tout ce qu'on ne te dit pas derrière l'entrepreneuriat. Et puis, n'hésite pas aussi à aller regarder les autres vidéos que j'ai faites parce que c'est une série, il y aura à peu près 8 vidéos sur ce qu'on ne te dit pas sur l'entrepreneuriat. Donc, encore une fois, partage, mets un pouce bleu et abonne-toi. On se dit à bientôt. Au revoir.